contente de vous retrouver pour la saison 2 d'Essence de vie. On démarre avec un thème très sérieux. On doit parler d'un événement qu'on doit redouter, vu que la société n'est même pas encore prête même. Il s'agit du jugement dernier. Aujourd'hui, on relativise tellement cet événement, on se dit que ça sera un moment calme, pépère, tranquille. Un peu comme ça. Hello les amis, ce petit direct sur Facebook pour vous montrer un peu comment se passe le jugement d'Enya Cocody. Ils sont en train de juger Rico, donc franchement ça stresse quoi. J'attends mon tour, hein. Jésus est juste à côté avec Ange Gabriel. Ah non, franchement les amis, priez pour moi, oh. Priez pour moi, je croise les doigts. Bye. Il n'y aura plus tout ça. Il n'y aura plus de boulot, plus d'école, plus de connexion. 2 Pierre 3, le verset 10 nous dit que le jour du Seigneur vient comme un voleur. La terre et tout ce qu'elle contient sera consumé. Donc les amis, quels que soient nos soucis quotidiens, voyage, boulot, mariage, assurons-nous qu'à son retour, Jésus-Christ nous trouve attachés, fidèles à sa parole. Cela est déterminant pour savoir si on sera définitivement au paradis, dans ce magnifique endroit où il n'y a pas problème, il n'y a pas galère, il n'y a pas gourmand là-bas. Ou est-ce qu'on sera en enfer dans la tristesse et les pleurs et tout ça? Jésus-Christ revient bientôt. C'est ce message-là que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La prochaine fois, on va parler de notre vie sentimentale. Hein? C'est un sujet qui intéresse Dieu. Hein? Donc, je vous donne rendez-vous et à très bientôt. Bye!